Voici l'hiver. Et voici la métropole du Canada, Montréal, au premier rang des grandes villes du monde, au moins sur un point, la neige. Et pourtant, malgré la neige, ni la circulation ni les affaires ne doivent ralentir. Pour que la vie continue comme d'habitude, une vaste organisation déneige rues et trottoirs tout le long de l'hiver. Il n'en a pas toujours été ainsi. Au jour d'antan, quand les traîneaux à chevaux étaient seuls à circuler dans Montréal, point n'était besoin de nettoyer les rues. L'arrière-grand-père balayait lui-même la neige de son trottoir et il l'entassait tout simplement au bord de la rue jusqu'à ce que le printemps se charge de la faire fondre. Avec l'avènement du tramway et des voitures motorisées, l'enlèvement de la neige devint impératif. Des groupes d'hommes munis de pelles et de piques furent chargés du déneigement, mais quel travail long et fastidieux. Vint la charrue électrique qui les aida dans leur travail, mais ce ne fut qu'un début. La multiplication rapide du nombre d'automobiles a si bien compliqué le problème de la neige qu'aujourd'hui, il faut pour le résoudre des centaines d'hommes et de machines. Comme c'est avant tout une question de mécanique, les ateliers municipaux de Montréal disposent à l'année longue d'un personnel qualifié pour viser et tenir en bon ordre les appareils. À l'automne de chaque année, l'outillage d'été est transformé pour l'hiver. On enlève les pompes des arroseuses et on les équipe de lames nivelantes et de dispositifs spéciaux pour l'épandage du sable et de la cendre partant de verglas. Presque tous les appareils motorisés de la division de la voie publique se préparent au combat contre la neige. C'est à cette division du service des travaux publics qu'est confiée la tâche d'organiser et de diriger contre la neige une armée motorisée. Un personnel expérimenté résout avec méthode les problèmes spéciaux que présente l'entretien des rues de Montréal l'hiver. La voie publique coordonne ses propres opérations du déneigement avec celle de la compagnie des tramways, dont plusieurs véhicules sont munis de charrues et de niveleuses. Un coup d'œil sur la carte de Montréal nous fait voir que son territoire de 50 000 carrés est divisé en trois sections. Chacune est dirigée par un ingénieur. Ces sections sont subdivisées en 11 sous-sections, dont chacune est conduite par un contremaître. Voici un secteur typique de la ville, où l'enlèvement de la neige est en cours. Pour nettoyer les trottoirs, on utilise des tracteurs étroits munis de pelles. La largeur de ces pelles, placées à l'avant des tracteurs, correspond à la largeur moyenne des trottoirs. À mesure que ces tracteurs avancent, la neige est rejetée au bord de la chaussée. Quand un trottoir a été dégagé, le tracteur passe de l'autre côté de la rue et l'opération recommence. Sur la chaussée, les grosses déneigeuses travaillent isolément ou en échelon de deux ou trois. Elles repoussent la neige vers le bordage déjà formé par les petits tracteurs. Ces charrues procèdent de la même façon que les charrues de trottoir et balaient la chaussée en deux temps, dans un sens puis dans l'autre. Des charrues de moyenne grandeur entrent alors en scène. Elles poussent le bordage à quelques pieds des trottoirs, hors de tout obstacle qui nuirait aux équipes d'enlèvement de la neige. Tout est prêt pour les équipes d'enlèvement de la neige. Des souffleuses spécialement construites aspirent la neige et en remplissent des files de camions qui la transportent hors des rues. L'enlèvement de la neige ne peut pas se faire en un clin d'œil, mais il est si bien organisé qu'il s'accomplit avec le maximum d'efficacité. Pour vaincre la neige, comme pour gagner une course, il faut partir à point. Il ne faut pas cependant prendre un coup de vent pour une tempête et mobiliser une armée contre trois flocons de neige. La ville a donc 24 heures par jour, 7 jours par semaine, durant tous les mois d'hiver. Son propre bureau météorologique, centre de renseignement sur le temps qu'il fait et qu'il fera tout autour de Montréal. Quand il semble qu'une tempête se dirige vers la ville, ce bureau alerte immédiatement les surintendants de division, les ingénieurs de section, les villes voisines, la compagnie des tramways, et que la neige s'amène, elle sera bien reçue. Ce jour-là, la tempête était à plusieurs milles de la ville quand elle fut signalée au bureau météorologique. Quand elle atteignit les approches de la ville, on vérifia soigneusement sa direction et sa vitesse. La tempête se dissiperait-elle avant d'atteindre la ville? Changerait-elle de direction? Non,
Il n'y eut bientôt plus de doute. Elle se dirigeait vers Montréal. La tempête atteignit la ville dans l'après-midi. Quand les clients des magasins et les employés de bureau prirent le chemin de la maison pour souper, la neige tombait déjà drue. La circulation commença à ralentir et il devint évident que les charrues à neige en auraient pour toute la nuit. Les appareils sont prêts grâce aux quelques heures d'avis qu'a donné la tempête aux ingénieurs de section. Le surintendant de la division donne le signal qui met en branle une flottille mécanisée de près de 500 charrues, souffleuses, grattoirs et camions et les achemine vers les objectifs choisis d'avance. Comme la circulation dans Montréal est très intense, il n'est pas toujours possible de faire passer les déneigeuses pendant le jour. On profite de la nuit alors qu'il circule moins d'auto. Les charrues se succèdent par équipe jusqu'à ce que les rues aient été déblayées par toute la ville. Les chaussées déblayées ont tout de même perdu leur largeur. Il faut faire disparaître les bordages. D'autres charrues poussent la neige dans la rue où la prendront les équipes d'enlèvement. On place des placards sur les bordages pour avertir les automobilistes de ne pas nuire au travail en stationnant. Tout est prêt pour l'opération suivante, l'enlèvement. À travers la ville, les souffleuses chargent la neige dans les camions qui la transportent hors des rues. Le lendemain matin, l'enlèvement de la neige se poursuit et se poursuivra sans répit 24 heures par jour jusqu'à la prochaine tempête. Après que les artères principales et les rues où circulent les tramways ont été nettoyées, les rues secondaires ont leur tour en s'éloignant de plus en plus du centre. Mais où va toute cette neige? Dans certaines parties de la ville, elle est jetée à l'égout. Mais cela n'est possible que là où les égouts sont assez gros. Cette méthode permet de se débarrasser de la neige en réduisant les frais de transport et en nuisant le moins possible à la circulation. Une grande quantité de la neige est jetée directement dans le Saint-Laurent, le long des quais. Là, les camions n'attendent pas. Ils sont tout de suite disponibles pour une autre charge. Dans les quartiers excentriques, la méthode employée diffère de celle du cœur de la ville. Les souffleuses projettent la neige dans les champs de chaque côté de la rue. Dans les zones domiciliaires, là où les maisons sont en retrait du trottoir, la neige est soufflée sur les pelouses ou les terrains vagues. Dans cette bataille contre les éléments, maintes et maintes appareils subissent quelques avaries.
Il reprend le chemin des ateliers où la réparation se fait vite et bien à temps pour la prochaine tempête. L'hiver ne nous amène pas seulement la neige. Le verglas et la pluie glacée peuvent causer encore plus d'embarras si l'on y voit sans retard. On utilise alors des camions munis de dispositifs spéciaux pour l'épandage de la cendre. Les trottoirs sont sablés. Quand ils ne gèlent pas tout en gelant sans geler, quand alterne la pluie et la neige, l'épandage du sable devient une opération majeure. Des épandeurs automatiques tirés par des tracteurs couvrent les surfaces glacées d'une couche uniforme de sable. Une grande partie de l'épandage du sable sur les trottoirs se fait cependant à la main. Des hommes accompagnés d'un camion peuvent couvrir une grande superficie dans un court laps de temps. À cause de réclamations possibles contre la ville, on prend note de l'heure précise où le sable a été répandu à tel et tel endroit. Quand arrive enfin le souffle du printemps, la neige croule au soleil et disparaît des rues, même celles qui s'étaient cantonnées dans les coins d'ombre. La tâche de l'enlèvement de la neige est terminée jusqu'à l'hiver suivant. Mais même après son départ, la neige laisse des traces qu'il faut faire disparaître avant de se lancer dans les travaux de voirie de l'été. Personne ne veut plus du sable et de la cendre qui se sont accumulés pendant les longs mois d'hiver. Des groupes de travailleurs effacent les derniers vestiges de l'hiver, les arroseuses entrent en scène et Montréal se prépare aux jours chauds de l'été. À la fin d'avril, au plus tard, il ne reste rien de l'hiver dans les rues. Pour les enfants, la corde à danser remplace le patin et le traîneau. Les manteaux de fourrure font place aux robes légères aux couleurs vives. De nouveau, les Victorias s'acheminent vers le sommet de la montagne par les mêmes routes où quelques semaines plus tôt glissaient les lisses des traîneaux. L'observatoire du Mont-Royal, les Montréalais jettent les yeux sur les rues achalandées de leur ville. Ils écoutent le murmure incessant de la circulation, signe sensible de la vitalité de leur cité, pour laquelle il faut gagner chaque année la bataille de la neige.